Amis, frères et sœurs, présents ou à distance, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Frère. Alors soyez bienvenus, chacun, chacune, tous et toutes, tels que vous êtes, avec tout ce qui vous fait être. Bienvenue avec les rêves, les réjouissances, les ratés, les arrangements, les paresses, les abandons, les idées toutes faites. Bienvenue avec les curiosités, nos inavouables, les étrangetés, l'ennui, la colère, la légèreté, la fantaisie, nos découragements, les chagrins. Bienvenue avec la bonté, la lassitude, l'inépuisable inquiétude, avec nos petitesses et notre grandeur, avec toute notre superficie et notre profondeur. Bienvenue. Nous venons ensemble à la vie de Dieu, à la vie qui est Dieu, qui nous accueille et nous recueille. Et nous l'invoquons avec les mots du psaume 89. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pour qu'ils ne retournent pas à la folie. Oui, son salut est proche pour ceux qui le craignent, afin que la gloire demeure dans notre pays. La bienveillance et la vérité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La vérité germe de la terre et la justice se penche du haut des cieux. L'Éternel aussi donnera le bonheur et notre terre portera ses fruits. La justice marchera devant lui et marquera ses pas sur le chemin. Louons l'Éternel. Je vous invite à vous lever, à entendre un psaume contemporain, et puis après nous chanterons le psaume 19. Silencieusement, tu germes en terre, dans les déserts, les terres arides, voici la vie. Dans les nuits obscures, voici la lueur. Et la marche n'est plus désespérée. Le sang n'est plus noir, le souffle n'est plus court. Tu ne retiens ni les erreurs, ni les fautes, ni les oublis, ni les manques. Tu aimes et les vivants peuvent vivre. Silencieusement, tu germes en terre. Nos esprits s'ouvrent à ton esprit, nos jours s'ouvrent à ton jour et le courage est ranimé. La bonté est réveillée, l'audace est relevée. Tu ne choisis ni la condamnation, ni le châtiment, ni l'indifférence, ni le mépris. Tu aimes et les vivants peuvent vivre. Silencieusement, tu germes en terre. La joie fleurit par les rencontres et les partages. La paix s'épanouit dans l'écoute et la méditation, et l'être replié et redressé, l'être endormi et réveillé, l'être enfermé et libéré. Tu n'uses ni de contraintes, ni de menaces, ni de séductions, ni de marchandage. Tu aimes et les vivants peuvent vivre. Amen. Donc au psaume 119, pardon, 19, psaume 19, le ciel étincelant, nous le chantons en entier. Thank you.
Je vous invite à prier avec cette prière de Jacques Musset inspirée par le psaume 121. Immergé dans un monde où s'étale le mal, habité moi-même par des courants obscurs, j'en appelle à la source cachée en tout humain, source du dire vrai, de la relation authentique, de l'intégrité de l'esprit. Elle irrigue les cœurs et les humanise. Mais je le sais, un monde parfait est une illusion. Une vie parfaite est une chimère. Est-il alors possible aux humains passionnés pour que coule le droit et la justice, la vérité et la fraternité? Avec eux, je m'efforcerai, à longueur de vie, de faciliter le passage de l'eau vive qui fait refleurir les sols arides dans le désert de notre terre. Les oasis témoignent inlassablement de la source d'eau vive. Amen. Et nous chantons encore au cantique 242. Nous t'invoquons, ô Seigneur, et nous chantons le cantique 242 en entier. Thank you.
Je vous invite à prier avant de lire dans les Écritures. Dieu notre Père, nous te bénissons, car sur le chemin de notre vie, ton amour nous précède toujours. Accorde-nous d'avancer joyeusement par ton Esprit Saint, sur le chemin de l'écoute et de la compréhension de ta parole, en te rendant grâce pour la lumière qui éclaire nos pas. Amen. Comme vous pouvez le voir sur les feuilles de culte que vous avez trouvées dans les recueils de cantiques, il y aura deux textes pour porter notre méditation ce jour. Le premier dans le livre du prophète Amos, l'autre dans le livre du prophète Ésaïe. Et pour vous qui avez la page sous les yeux, vous voyez qu'il y a deux auteurs de lettres différentes. En fait, le texte vraiment intéressant du prophète Amos, c'est juste le verset 24, chapitre 5. Mais je vous ai mis un peu le contexte, donc je lirai à partir du verset 21, mais c'est le verset 24 qui nous intéressera particulièrement. Et de même, dans le texte du prophète Ésaïe, au chapitre 40, les versets 3 à 5, ce sont surtout les versets 4 et 5 qui retiendront notre attention. Donc, pour commencer, au livre du prophète Amos, chapitre 5, versets 21 à 24, et donc le prophète transmet, parle au nom de l'Éternel. Je déteste vos fêtes, je les rejette. Je ne veux plus sentir vos assemblées solennelles. Quand vous me présentez vos holocaustes et vos offrandes, je ne les agrée pas. Vos sacrifices de paix et vos bêtes grasses, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le tumulte de tes chants, je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que l'équité coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Et puis dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 40, les versets 3 à 5. Quelqu'un crie, dans le désert, frayez le chemin de l'Éternel. Aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors la gloire de l'Éternel se dévoilera et tous la verront ensemble. C'est la bouche de l'Éternel qui parle. Au mois de juillet, nous avons lu quatre textes bibliques faisant état de rêves et de visions. Alors avant le mois de septembre, pour terminer l'été, pour ouvrir aussi la série du mois de juillet, l'ouvrir et pas la clore, je vous propose de méditer ces deux textes bibliques qui sont très brefs parce qu'ils soutiennent un rêve. Vous le savez peut-être, demain, le 28 août 2023, cela fera 60 ans que le pasteur baptiste Martin Luther King a prononcé à Washington son célèbre discours « I have a dream », « Je fais un rêve ». Martin Luther King recevra l'année suivante le prix Nobel de la paix pour son action déterminée et non violente contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Un combat pour la justice, pour la paix. Amos et Ésaïe ont inspiré Martin Luther King, qui cite dans son discours les deux extraits que nous avons lus aujourd'hui, les deux passages en gros caractères sur la feuille de culte.
Les deux prophètes proclament ce pourquoi le pasteur américain a lutté avec persévérance, la justice et la liberté. La justice et la liberté sont les deux piliers du rêve de Martin Luther King, parce que c'est un rêve tout à fait réveillé. Les rêves que nous faisons lorsque nous dormons nous échappent. Nous ne les contrôlons pas et nous ne savons pas toujours ce qu'ils signifient. Nous ne savons pas toujours qu'en faire. Ils n'ont pas toujours un impact sur notre existence, sur notre manière d'être au monde. Des rêves que nous faisons en étant éveillés, certains servent à fuir une période ou une réalité insatisfaisante. Mais d'autres, et le rêve de Martin Luther King est de cela, d'autres rêves engagent, orientent, portent, transforment. Le combat pour la justice, la lutte pour la liberté sont ainsi exprimés, proclamés et partagés et retentissent de cette manière pour d'autres temps, d'autres lieux, d'autres situations que celles où la déclaration prophétique d'Amos ou d'Ésaïe les a exprimés. Et le rêve du pasteur Baptiste est lui-même une parole prophétique, nourrie de celle des Écritures hébraïques comme de l'Évangile de justice et de liberté, la bonne nouvelle de justice et de liberté. La justice et la liberté vont toujours ensemble. Par toutes leurs facettes, elles se répondent l'une à l'autre. Commençons, si vous le voulez bien, par le texte d'Ésaïe, ensuite nous verrons celui d'Amos avant d'essayer de lier les deux et d'aller vers un rêve. La libération annoncée par le prophète Ésaïe, c'est la libération de l'exil à Babylone. Et il l'annonce avec l'image d'un aplanissement des reliefs, montagnes, collines, escarpements. Un aplanissement qui fait place à la gloire de l'Éternel. Cette image, aplanisser une route, frayer un chemin, cette image est une référence directe aux grandes processions religieuses, royales et militaires babyloniennes. Et pour que ces processions avancent sans problème, avec toute l'ampleur qu'il leur donnait, les Babyloniens obligeaient leurs prisonniers, leurs esclaves, à aplanir le chemin, à édifier de larges sur lequel les processions religieuses, royales ou militaires pouvaient avancer de la manière la plus majestueuse possible. Les Israélites déportés à Babylone ont vu cela. Ils ont travaillé à cela. Et voici que le prophète Ésaïe subvertit cette image d'épreuve, de souffrance. Elle devient l'œuvre d'un peuple libéré pour la manifestation de la gloire du Dieu libérateur. Le prophète Ésaïe, du moins celui qu'on appelle Ésaïe, écrit ce passage-là vers la fin de l'exil. Mais ce n'est pas tout, car c'est un tout petit peuple qui va sortir de l'exil. Pas du tout comme une grande procession triomphante à la manière babylonienne. C'est un tout petit peuple, une poignée d'exilés qui vont revenir. Et le grand empire perse va lui rester un grand empire perse, du moins jusqu'à l'arrivée d'Alexandre le Grand. C'est-à-dire que la gloire de Dieu dont il est question ici n'a rien de commun avec la gloire babylonienne, avec les processions imposantes, avec les rituels majestueux, avec le déploiement de fortes et de fastes qui caractérisaient l'Empire babylonien, mais qui accompagnent le plus souvent nos humaines images de la gloire. La gloire de Dieu, c'est cette sortie de l'exil d'un tout
petit peuple. Comme ce sera un nouveau-né dans une mangeoire. Comme ce sera. Et ce sera un paradoxe, le paradoxe suprême, un homme crucifié sur une croix. La gloire de Dieu, ce n'est pas affaire de pouvoir ni de richesse. Elle ne réside pas dans l'éclat ou le prestige. La gloire de Dieu, c'est d'aimer, c'est de faire vivre de vie vivante. Alors ce qui manifeste le plus justement la gloire de Dieu, ce n'est pas l'édification d'un temple superbe où l'or abonde. Ce n'est pas non plus une institution religieuse avec des structures plus ou moins influentes dans le reste de la société. Ce n'est même pas le nombre très élevé de ses fidèles. Ce qui manifeste la gloire de Dieu, c'est une vie libérée de ce qui la réduit, de ce qui l'empêche d'être vie. C'est une existence humaine reconnue dans sa pleine humanité, dans son entière dignité, dignité inconditionnelle, parce que la dignité ne se mérite pas, elle est intrinsèque à l'humanité. Lorsque Jésus de Nazareth guérit une personne malade, lorsqu'il exorcise une personne possédée par un esprit impur, il libère cette personne et lui rend sa juste place et sa dignité d'être humain. Il lui restitue la liberté de conscience et de parole dont cette personne était privée. La libération de ce qui opprime, écrase, rétrécit l'humanité de l'humain manifeste la gloire de Dieu. Mais cette manifestation, elle est sensible dans la foi, elle ne s'impose à personne. Alors les vallées, montagnes, collines, reliefs et escarpements de la prophétie d'Ésaïe ne doivent rien à la topographie d'un lieu, mais elles doivent tout aux structures d'une société qui permet aux uns de vivre à l'air pur et au soleil des sommets, quand d'autres sont confinés dans le brouillard des fonds de vallée. Aux prises avec les lois de discrimination raciale en vigueur aux États-Unis, Martin Luther King a entendu la voix qui crie. Une voix à laquelle la tradition des Écritures a donné le nom d'Ésaïe, une voix reprise par celle du pasteur baptiste et par bien d'autres avant lui et d'autres après lui. La parole qui proclame la libération évite à ceux qui l'entendent, à ceux qui la reçoivent, de se replier dans le fatalisme, l'amertume ou le ressentiment. Cette parole est mobilisatrice. Il s'agit de se mettre à l'ouvrage, et ce n'est certes pas un ouvrage facile non plus. Cette parole est réconfortante et réjouissante. Elle vitalise comme la parole de Dieu est vivifiante. L'équité, on dirait plus facilement le droit, et la justice sont eux réclamés par le prophète Amos. Mais le droit et la justice, c'est aussi la libération de ceux qui sont opprimés par un système religieux et économique qui les met à terre et même plus bas que terre. C'est ce contre quoi Amos vitupère. Ces systèmes religieux et économiques génèrent des profits de pouvoir et de richesse pour ceux, pour une minorité, pour quelques-uns qui vont pouvoir bénéficier au détriment des autres. Mais là encore, liberté et justice vont ensemble. Et Amos affirme que la responsabilité de l'être humain devant Dieu ne tient certes pas, surtout pas, à sa pratique religieuse, mais à sa pratique relationnelle avec les autres. Droit et justice comme une eau vive, car il s'agit d'un comportement, pas une qualité ni un caractère, et pas seulement un concept, une conduite quotidienne dans la vie quotidienne. Conduite nourrie, oui,
par la pratique religieuse de méditation, de prière et de culte. La justice, c'est ce comportement, ce regard et ce comportement qui considère l'autre, quel qu'il soit, comme un être humain d'égale dignité à soi. La justice, c'est cette action qui va préserver l'entière dignité d'autrui. Et soutenue par le droit et la justice, il est possible de déborder, de dépasser l'esprit de domination qui gouverne tant de structures humaines et les relations qu'elles induisent. Comme il est possible de dépasser l'esprit de vengeance et l'esprit de revanche. Martin Luther King disait dans une de ses prédications qu'il y a dans notre monde des choses auxquelles les hommes de bonne volonté doivent être mal adaptés. Parmi ces choses, l'injustice se tient au premier rang, avec le manque de liberté. Pour le pasteur américain, la justice, c'est d'être un bon prochain. Cette conviction de foi, de ce qu'est la justice entre les personnes, la justice dans une société, s'enracine dans une compréhension de la justice de Dieu envers nous comme salut. La justice de Dieu, c'est de sauver. La justice de Dieu, c'est de rendre l'humain à la vie. C'est de le faire passer de la mort à la vie. C'est pourquoi Jésus le Christ est la justice de Dieu. Puissance pour une vie en plénitude, une vie meilleure, dans le sens où elle est transformée et transformatrice à son tour pour d'autres. Dans l'Amérique des années 50 et 60, le pasteur Martin Luther King manifeste à quel point le christianisme est social, toujours forcément social. D'ailleurs, avant lui, le pasteur Wilfred Monod et notre ami Laurent Gagnebin nous le rappellent souvent. Wilfred Monod écrivait que l'expression « christianisme social » est en elle-même un pléonasme. De même que le pasteur Philippe Kabongo-Mbaya, actuel président du mouvement du christianisme social, a coutume de dire que christianisme, tout court, c'est trop court. C'est toujours christianisme social. Le rêve du pasteur Baptiste, celui qu'il exprime dans son discours de 1963, est issu de sa foi, de sa méditation des Écritures, de sa prière. Ce n'est pas un rêve de dormeur, c'est un rêve d'éveiller, de réveiller au sens de ressusciter. Ce qui l'a fait ainsi rêver, ce qui fait ainsi rêver tant d'hommes et de femmes, ce qui nous fait rêver de telle manière, c'est oui la lecture et l'interprétation des Écritures, c'est aussi de regarder autour de nous et même un peu plus loin, c'est d'écouter les cris, les pleurs, les silences, les appels des hommes et des femmes du temps qui est le nôtre. C'est de lire avec la foi, de recevoir avec la foi les grands mouvements et élans du monde, peut-être même d'autres écrits, d'autres paroles. Le rêve de Martin Luther King puisait aussi dans la déclaration d'indépendance des États-Unis et dans la déclaration d'émancipation promulguée par Abraham Lincoln pour mettre fin à l'esclavage. Nous ne sommes pas destinés à nous soumettre aux situations et à ceux qui les provoquent. Nous pouvons penser, réfléchir, voir plus loin, et du point de vue qu'Amos et Ésaïe et Jésus de Nazareth mettent en avant, on pourrait presque dire le point de vue de Dieu, le droit, la justice, la liberté. En n'importe quelle circonstance, nous pouvons choisir
le droit, la justice et la liberté. Dans les escarpements, dans les temps de sécheresse, s'abreuver à ce torrent intarissable de la justice. Dans les escarpements des sociétés, aplanir les pics d'oppression. Et malgré le chaos généré par l'ignorance et la méchanceté, par le conformisme et le mensonge, par l'indifférence et la cupidité, par l'inconscience et la violence, se tenir du côté de la liberté et de la justice, même quand elles ne sont pas mises en pratique, même lorsqu'elles ne sont pas complètement réalisées en nous-mêmes, parce que nous savons bien déjà ce qu'elles signifient. Nous le savons avec Amos, avec Ésaïe, avec Jean le Baptiste, avec Jésus de Nazareth. Dans son discours de remise du doctorat honoris causa de l'Institut protestant de théologie au professeur James Combe, un théologien afro-américain, le professeur Raphaël Picon, alors doyen de la faculté de Paris, a dit « Dieu nous conduit au monde pour y déchiffrer l'action libératrice et transformatrice de Dieu et pour servir cette justice de Dieu que le Christ incarne, celle de la libération de l'oppression. Toutes les luttes pour la justice et la liberté n'aboutissent pas. Certaines sont écrasées sous d'impitoyables répressions. La CAF, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture et contre la peine de mort, rend régulièrement compte, parmi toutes les personnes qu'elle soutient dans le monde entier, de celles et ceux qui sont relâchés, retrouvés, et de celles et ceux qui sont tués, qui disparaissent. Mais même précaire et limité, un progrès de justice, c'est un progrès. Une lueur d'espoir et de confiance. Le présent du royaume de Dieu se tient là, dans les engagements personnels et collectifs pour le droit, la justice et la liberté. Là où la gloire de Dieu est manifestée, même pour une seule personne, et même si beaucoup l'ignorent ou passent à côté sans s'en rendre compte. Quoi qu'il arrive, parce que Jésus le Christ est déjà venu, lui qui est justice, salut, amour de Dieu. Parce que le Christ vient, parce qu'en nous et pour nous le salut est déjà donné, nous pouvons vivre ici et maintenant pour le royaume de Dieu et sa justice, même dans des temps et dans des lieux d'injustice, et tout simplement dans notre quotidien. Amen. Thank you.
C'est le moment de la confession de foi, je vous invite à vous lever. Je crois en Dieu qui est, qui était et qui vient. Je crois notre histoire habitée, soulevée, fécondée par le vivant. Dans sa parole, heureuse nouvelle, dans les signes de l'eau et du pain, dans les cris du pauvre et de l'affamé, dans les gestes du prisonnier et du rejeté, il m'attend, il me parle, mystérieux visiteur dont le souffle de vie me fouette le visage. Avec mes frères et mes sœurs, je sais qu'il habite notre aujourd'hui. Je crois avec toutes les femmes, tous les hommes d'hier qui déchiffrèrent sa trace dans l'histoire. Peuple libéré de la servitude et tensé par les prophètes. Peuple chanteur de psaumes et sage de proverbes. Avec les foules palestiniennes et les apôtres, témoins de sa voix humaine, j'entre dans ce grand cortège qui suit le Nazaréen, Paul de Tarse, François d'Assise, Martin Luther, Jean 23, Martin Luther King et tous les autres, ils n'ont pas cru en vain. Je crois, dans le bruissement du monde, entendre les coups qu'il frappe à la porte, discerner les pas de celui qui vient. C'est pourquoi, au chevet des malades et des agonisants, je prie. Avec tous les opprimés et les torturés, je crie. Avec tous les passionnés, je cherche. Avec les lutteurs, je milite. Car il vient, celui-là, qui rompt tous les destins et ouvre les chemins, qui désarme toutes les résignations et suscite les responsabilités, et dont le projet fait pâlir tous les programmes. J'attends le vivant, dont la résurrection a nos espérances. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique numéro 253. Chantons de joie vers le Seigneur, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Thank you.
des annonces dans la joie de nous retrouver au temple du foyer des larmes. Alors, aujourd'hui, vous avez vu la collecte alimentaire au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e a déjà repris et elle se poursuivra tous les dimanches, chaque dimanche. Donc, vous pouvez apporter des produits alimentaires, d'hygiène, d'entretien, produits évidemment non périssables, en sachets scellés, pas de vrac. Vous pouvez consulter la liste de produits particulièrement demandés en ce moment qui est affichée dans l'entrée du temple. Vous pouvez aussi apporter autre chose. Aujourd'hui à 16h, je voudrais signaler un concert qui n'a pas lieu ici, mais à l'église Saint-Séverin. Il s'agit d'un concert donné par le jeune violoncelliste Romain Graves, qui était venu ici au mois de juillet, qui a joué les 3 suites de Jean-Sébastien Bach au violoncelle, enfin il y en a eu les 6 en fait, mais le concert était des 3, et il est de retour à Paris après la fin de sa tournée en Allemagne, et il redonne les 6 suites. Alors il a donné les 3 premières hier, et les 3 dernières, celles qui ont déjà été données ici, à 16h à l'église Saint-Séverin à Paris. Donc si vous souhaitez l'écouter à nouveau ou le découvrir, c'est un jeune violoncelliste de 13 ans, qui est vraiment un virtuose et qui donc a fait cette tournée cet été en Europe parce que c'est le 300e anniversaire de l'écriture des suites de violoncelle de Jean-Sébastien Bach et qu'elles ont été redécouvertes par le grand violoncelliste Pablo Casals alors qu'il avait 13 ans, le même âge que Romain. Donc voilà, c'est cette double célébration qui se termine là ces jours-ci à Paris. Et vous pouvez aller l'écouter aujourd'hui. Les activités du foyer d'âme reprendront en septembre. En particulier la pause spirituelle, donc il n'y en aura pas la semaine prochaine, mais le premier jeudi de septembre. En revanche, dimanche prochain, il y aura bien sûr le culte à 10h30. Et je vous invite à noter, si ce n'est pas déjà fait, que le culte de rentrée aura lieu le 17 septembre. Donc vous pouvez déjà le retenir, ce sera un culte avec partage de la scène et puis ce sera aussi le culte de retrouvailles et particulièrement avec les enfants de l'école biblique, du pré-caté et du caté. Oui, si, le week-end prochain c'est aussi l'Assemblée du désert, le grand rassemblement protestant au Massoubéran dans les Cévennes. Le culte sera, le culte et la prédication seront apportés cette année par Céline Romer, qui est professeure de Nouveau Testament à l'Institut protestant de théologie, faculté de Montpellier. Et puis il y aura aussi l'après-midi des conférences, des interventions, et peut-être quelques-uns d'entre vous feraient le voyage pour l'Assemblée du désert. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? D'autres nouvelles à se dire? Alors c'est le moment de l'offrande. Et que cette offrande de rentrée soit comme toute offrande, une offrande libre et donc joyeuse.
Nous nous recueillons ensemble dans la prière d'intercession avec une prière que, si vous souhaitez, vous pourrez retrouver sur le site d'Évangile et Liberté. Réunissons-nous. Ô notre Dieu, nous ne pouvons pas vraiment te prier pour que cesse la guerre, car nous savons que tu as fait le monde de telle façon que l'humain puisse trouver le chemin de la paix, tant en lui-même qu'avec son voisin. Ô notre Dieu, nous ne pouvons pas vraiment te prier pour que cesse la famine, car tu nous as donné bien assez de ressources pour nourrir le monde entier, si seulement nous les utilisons avec sagesse. Ô notre Dieu, nous ne pouvons pas vraiment te prier d'éradiquer l'injustice, car tu nous as donné des yeux capables de voir le bien en chaque créature, si seulement nous les utilisons avec sagesse. Nous ne pouvons pas vraiment te prier, ô notre Dieu, de faire cesser le désespoir, car tu nous as déjà donné le pouvoir de transformer les taudis, de semer l'espérance, si seulement nous utilisons ce pouvoir avec sagesse. Nous ne pouvons pas vraiment te prier, ô notre Dieu, de faire cesser les maladies, car tu nous as déjà donné une intelligence capable d'imaginer des traitements, de créer les médicaments, si seulement nous utilisons cette intelligence avec sagesse. C'est pourquoi, ô notre Dieu, nous te prions plutôt de nous donner force, détermination et courage. Nous te prions de nous donner d'agir, de ne pas simplement prier, et de nous donner d'être, plutôt que simplement espérer. Et ensemble, à voix haute ou dans le secret du cœur, nous pouvons prier avec les mots que Jésus le Christ nous a laissés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le dernier cantique de ce culte, au numéro 289, les strophes 1, 2 et 3, si Dieu pour nous s'engage. Thank you.
Pour exhortation, dernière parole pour partir, vous ne serez pas surpris d'entendre ces paroles de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, dans le discours sur la montagne. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger ou bien qu'allons-nous boire ou bien de quoi allons-nous nous vêtir. Tout cela, c'est ce que les gens des nations recherchent sans relâche, car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surplomb. Amis, frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur vous son regard et vous accorde sa grâce. Qu'il porte sur vous son regard et vous accorde la paix. Amen.